Mon idée pour 2015, c'est que nous obtenions un sursaut national sur la solidarité, car on voit bien qu'il y a une crise de la solidarité en France, notamment de rejet des personnes pauvres, des centres-villes, de rejet aussi des étrangers en difficulté. Et pour ça, il faut des mesures concrètes que nous défendons déjà depuis plusieurs années, mais qui doivent voir le jour en 2015, enfin. Une loi de programmation de logements très sociaux, par exemple, pour loger immédiatement les sans-abri et sortir de la crise du logement. Un accord pour les chômeurs de longue durée, de telle manière à ce qu'on puisse réduire de manière sensible ce chômage qui est la matrice principale de l'exclusion en France. Une réforme aussi de l'asile très attendue qui permette de garantir les droits fondamentaux mais aussi les engagements internationaux de la France. Enfin, 2015, c'est aussi l'année de la révision du projet fédéral, du projet associatif de la FNARS. Là aussi, nous devons être à la fois plus ancrés dans la vie quotidienne des Français et des Français qui souffrent. Et nous devons, à travers nos associations, donner envie de s'engager dans l'action associative et dans la citoyenneté.